Eh bien, merci Albert. En direct des manifestations de Lyon, tout de suite, nous recevons Mathieu, spécialiste de l'économie pétrolière et des carburants. Qu'avez-vous à répondre à ces affirmations ? C'est totalement faux. J'ai rien de personnel contre ce manifestant. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas dire sur une chaîne publique comme la vôtre que si les Français n'ont plus d'essence aujourd'hui, c'est parce que la France n'est pas alimentée en pétrole. Enfin quand même, c'est scandaleux. La 5G qui apparaît, ça fait déjà 5 ans qu'elle est là. Je pense vraiment qu'on n'a pas interviewé la bonne personne. Le problème, il est toujours le même aujourd'hui. À la télévision, on interviewe des idiots à la télévision. Bon, cela n'engage qu'à vous, hein. Chers téléspectateurs, c'est indépendant de la rédaction. Regardez-moi ça. Voilà. Les ruptures d'essence, ils font leur beurre dessus. Peut-être n'importe quoi. Excusez-moi, mais c'est toujours pareil. Mais un jour, voilà. Ce qui devait arriver y arriva. Et la vérité a fini par éclater.